Dresser une ossature en bois dans laquelle on va dresser une sorte de pont de veau. Chose. Ça a été quelqu'un d'extrême Allemagne, on en trouve en Franche-Comté, et on pense que ce principe de foyer chauffant au large, il a pu être véhiculé. Et de nos jours, eh bien, il en reste 29 exactement, dont une quinzaine sans encore habiter. Mais nous sommes dans la ferme musée de Saint-Rivier de Courte. Elle est en musée depuis 1962. C'est aussi là que se trouvaient tous les mariages, parce que lorsqu'une jeune fille avait un petit ami, eh bien, au bout de quelques fois. Il reste 29 chemisées sarrasines dans Bresse. La ferme auberge. Ils viennent à l'atelier, on ajuste le sabot au pied de la personne. Donc à l'époque, c'est le cuir qui remplace le bois. Donc nettement plus agréable, on a un molleton sous le cuir et le cuir est plus souple. Et on va la décolleter, petite bride en cuir, plus élégant, plus fin. C'est pour aller à la plage. Voilà, très léger, on les fabrique en saule. Ça fait un sabot très léger. Mais... Le bruit. C'est impressionnant. Sur la machine, le modèle est à droite. Le cube de bois. Et là, vous avez gagné combien? Vous avez déjà gagné combien? Ici, on creuse l'intérieur du sabot et le modèle est à gauche. Thank you.
on va faire ce geste à l'intérieur du sabot. Tac, tac, tac. Donc le racloir, on le retrouve aussi chez l'ébéniste. Vous imaginez le temps qu'il passait à racler le sabot. Non, ils étaient bien à l'époque, hein. Ils mettaient à la télé, regardaient le Tour de France, et puis... Ça passait l'après-midi. Donc là, on va arriver à la même finition, avec la ponceuse à bande. Non, non, c'est les rats, ça. Bah non. Ah bah, tu crois? Ah bah, écoute. Si vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît. Presque toujours une orientation majoritaire qui veut que la maison d'habitation soit façade principale à l'est, puisque là tout va bien. Une opinion au nord et au sud, pas d'ouverture en direction des vents dominants. Le vent du nord, la bise et la suite. Pas d'ouverture dans cette direction-là. Donc jusque là, elle est conforme. Ouais, l'église de Saint-André de Bagé. Bon, celui-là est complètement illisible. C'est compliqué. C'est oui. Je crois pas. Donc là, on représente la vie. Alors, en symbolique, surtout romane, c'est toujours un petit peu délicat de trancher, mais c'est peut-être une allusion simplement entre l'écartement, entre l'éternelle question, si vous voulez, entre le bien et la tentation. Deux masques grimaçants.